Bienvenue au paradis les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Aujourd'hui là on est à Isla Morada, Morada Bay. Donc là on est sur la route des Keys. On a fait à peu près 2 heures de route et il nous a resté encore 2 heures pour aller jusqu'à Key West, mais c'est vraiment magnifique. Et franchement on vient chaque année, on adore, c'est paradisiaque, donc on va vous faire un petit peu profiter de notre petit week-end. Allez. En attendant, petit repas, donc là ça sera saumon papillote avec quelques petits légumes ici, et puis toi, ça va être une salade de quinoa. Allez, on y va. Je suis sûr que t'as peur, Angie, en fait. Allez, viens, petit monstre. Allez. Allez, viens. Allez, on reprend la route. Cette fois-ci, c'est toi qui conduis. Ouais, c'est moi qui conduis. Si tu veux bien ouvrir la voiture. Allez, toi, c'est là ta place. Allez, hop. Hop, hop, hop. Allez, go. Oui. Ça y est, on est reparti, je me fais conduire un peu là cette fois-ci, ça change. Et là, il nous reste quoi, un peu moins de 2 heures de route, mais franchement, la route, elle est super agréable quand même, hein. Ouais, c'est super beau, passer, ouais. On est au milieu de nulle part, c'est en gros pour aller jusqu'à Key West, de Miami à Key West, il y a à peu près 4 heures, mais voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà, et après les 3 heures suivantes, c'est, on passe des ponts et je crois qu'il y a plus de 40 ponts en tout pour y aller. Et il y a même un pont qui fait 7 miles, donc c'est énorme, ça fait plus de 11 km, donc au milieu de nulle part. Et donc voilà, c'est un enchaînement de ponts, d'îles et tout ça pour arriver après jusqu'à Key West. Donc c'est vrai que c'est magnifique. Donc là on le voit. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais on voit qu'on est un peu au milieu de nulle part. Ça y est, enfin arrivé à Key West les amis, il fait beau, il fait chaud. Regarde là. Regarde. Regarde comme elle est. Dès qu'elle a un tapis, elle est trop contente. Arrête de faire la folle. Allez. Un petit churros. Ouais. Il est vacances quoi. C'est pas mal. T'as ouais. Des vacances ouais. Ouais, les churros c'est bon. C'est les vacances. Ouais, c'est les vacances quoi. C'est là. Ah, c'est génial, du coup, on est juste à côté de la poule. On a la vue sur la piscine. On a 2 grands lits. Ouais, mais un ça aurait suffi. Un ça aurait suffi. En fait. Mais si, pour la petite pépette. Ouais, d'accord. Angie, t'as un lit pour toi toute seule. Mais abuse pas, quoi. Je t'offre les lunettes. Les lunettes de vue ouais, de... Non, de soleil. Ouais.
attends, je vais faire une petite visite quand même. Alors, ça va? Petite baignoire, ouais, c'est sympa. Elle est grande la salle de bain. Ouais. Et la chambre, pourquoi on a deux énormes lits? Alors, moi j'avais commandé comme ça. On avait dit un king size. Ouais, vous avez. Ils ont... Bon, Indy, tu vois un lit pour toi toute seule. T'arrives là ou c'est trop haut? Allez hop, allez hop! Oh, c'est trop haut pour toi! Oh, c'est trop haut! Allez! Regarde! Oh. What? Elle est contente là, regarde! Regarde! Hey, doucement, on marche pas, on marche pas. Ici c'est Duval Street, c'est une des avenues principales un petit peu. Et là on va aller promener, peut-être goûter la spécialité qu'on connaît très bien d'ici, qui est la Key Lime Pie, sorte de tarte au citron, mais super bonne. Et ouais, tarte au citron vert. Et puis aussi le fameux coucher du soleil qu'il faut absolument voir aussi à Key West. On va vous montrer ça. Regarde. Non, il y a les Ben & Jerry qui me suivent partout. Allez, on goûte les spécialités. Alors c'est quoi ça? Conch. C'est quoi des conches? Coquillage. Ça se dit conque en français, ouais. Apparemment. C'est le gros coquillage qu'on trouve sur les plages paradisiaques. Ben, c'est la bête qu'il y a dedans. Bon, c'est pas super diète, mais bon, aujourd'hui on va pas trop compter. C'est quand même la classe, hein, les Chevrolet là, de cette époque. Un bon cigare là, tu me vois pas là dedans? On est pas bien là. Ça va, ça tient, ça soutient mon poids. Fitness Center, obligé. Let's go. On va voir ce que ça donne. Ouais. Fitness Room. C'est là? Ouais. Alors, à mon avis, c'est petit, mais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Putain, il y a la vue sur le truc, quoi. Ouais. C'est énorme. Ah oui, c'est. C'est superbe. Bon, il y a quand même des trucs pour faire le cardio et tout. Il y a un banc avec des haltères. Il y a des élastiques, des petits ballons. Mais si, c'est pas mal. Il y a de quoi faire un petit entraînement quand même. Ouais, un petit training hotel rapido. Ah, c'est cool. Tu te sens? Moi non, mais toi vas-y. Hein. Moi je vais aller dans la pool, dans la jacuzzi, profiter. Enfin, sinon, tu fais ton entraînement et on se rejoint au jacuzzi. Ouais, d'accord. Down the street.
butterflies, roller coasters, I'm gonna scream. Singing my own songs, my only dream. Just gotta work my way up, be whoever I like. If I only knew my future was so bright. Travel around the world and see all the sights. If you wanna feel alive, gotta put up a fight. I wanna throw down the books and pick up pen and paper. I'm always getting funny looks, and people say I'll never make it. Bon, c'était vraiment un training d'urgence de vacances. Mais bon, même avec quelques haltères élastiques, un petit peu de cardio et tout ça, ça fait quand même une bonne séance finalement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Jacuzzi. Petite détente, petite jacuzzi. Allez. Les amis, il fait beau, le paradis quoi. Allez, c'est parti. Petit déj d'abord pour bien commencer la journée. Bon, qu'est-ce qu'on a au petit déj? Alors, un croissant. Bon, je vous avoue, c'est pas super super diète. On sait pas ce que ça a donné. Et ça, c'est quoi? Tu sais ce que c'est? Ouais. C'est un truc cubain. Un truc mexicain, ouais. Cubain. Ouais. Cubain. Il doit y avoir du fromage dedans et des trucs, hein, comme ça. Oula, je sais pas si je vais aimer. Là on a un petit peu de yaourt grec qui n'est pas du 0% parce que sinon ça serait pas aussi dur. Et quelques fruits. Donc bon, ah, c'est pas tout le temps super équilibré dans les petits déj quand on voyage. Donc c'est pour ça que je prends toujours des sachets de whey. Donc ici j'ai de la whey 100% hydro-isolate. Pour au moins quand je voyage avoir ma quantité de whey dans la journée. Donc celle-là c'est goût cookie and cream. Ouais. En général chocolat ou cookie and cream, on ne peut pas se tromper. Donc voilà, au moins j'atteins au moins mes quantités de protéines dans la journée. Et puis après pour le reste de la journée aussi, j'aime bien prendre des barres de protéines. Justement c'est whey plus avoine, whey plus oat. Donc celles-là elles sont top aussi. Donc allez, bon app les amis. Je pensais qu'il y avait des œufs en fait dedans. J'ai mal lu. Non mais en fait il y a un petit déjeuner avec des œufs mais c'est œuf bacon donc c'est pas le top non plus. Bon, tu veux un café ou quelque chose? Ouais, je veux bien un café. Bah, les amis, on est arrivé à Old Town Fitness, la fameuse salle old school de Key West que j'adore, où j'y vais chaque année. Donc training aujourd'hui comme tous les jours, allez au moins une petite heure parce que c'est vrai qu'on fait quand même des petits excès, mais c'est normal, on se fait plaisir un petit peu de temps en temps. Mais je vous filme ça pour la prochaine vidéo, sinon ça sera beaucoup trop long pour ce vlog, mais allez c'est parti. Allez, après ce training, petit repas assez léger. Hop, pour moi ça sera ici. Une espèce de powerball 420 calories avec 27 grammes de prot. Pas mal. Et toi? Salade. Salade. Tu as du poulet quand même. Bon, place au dessert maintenant. Qu'est-ce qu'on a? La spécialité de la Floride. Mmh. C'est une tarte au citron vert. Tarte au citron vert de Floride. Pas mal, pas mal. J'en avais fait une un jour. Tu te rappelles? Oui. J'avais essayé d'en faire une. Pour Thanksgiving. Ouais. Ouais, super bonne celle-là. Tu devrais la goûter avant que je la termine. Moi, c'est plutôt la chantilly qui m'intéresse.
faut se faire plaisir un peu en vacances. J'ai essayé de pas le tomber. Ici, il y a plein de maisons en bois partout. D'ailleurs, c'est pour ça que quand il y a des ouragans qui passent ici, il reste plus grand chose. Mais apparemment, ils reconstruisent très très vite. Bon, les amis, on est au point le plus au sud de la Floride, tout à la pointe. Et là, on est à 90 miles de Cuba. Là, comme vous voyez ici, c'est le point le plus au sud. Plus au sud de la Floride. Bon, il y a un peu la queue pour les photos, donc on va peut-être éviter. Allez, dernier petit repas plaisir pour finir ce petit séjour. Donc c'était que 2 jours et demi de relax, on va dire. Ça fait du bien quand même parce que ça faisait plusieurs semaines, voire même plusieurs mois qu'on n'avait pas pris de jour de repos, parce que c'est vrai que même si on habite à la mer, on ne va pas souvent à la mer. Entre toutes les vidéos, les montages, les coachings, gérer les sites internet et compagnie, c'est vrai qu'on travaille parfois non-stop. Donc là, ça fait du bien de relâcher un peu la pression. Même si on vous fait ce vlog, ça reste quand même du plaisir. Et puis, c'est vrai qu'on se fait quand même un petit peu plaisir aussi sur la nourriture. Un peu plus, disons, qu'en temps normal. Mais en général, voilà, c'est que un seul repas dans la journée. Le reste, j'essaye de faire un peu plus propre. Et puis, moins d'encas aussi. Juste un seul encas dans l'après-midi et encore pas vraiment calorique. Du coup, les calories à la journée, c'est pas non plus, ça dépasse pas voilà, de d'habitude au final. Toi, c'est sushi. Oui. Et c'est ton repas préféré. Ça va, ce séjour? Pas si je vais finir. Ce séjour? Oui. Sympa? Oui, oui. Angie, qu'est-ce que tu fais là-bas dessous? Regarde-toi maintenant. Est-ce elle que mange c'est... du sable et ouais, tout. Mais ça va pas du tout là. Oh, là Angie, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, elle cherche la fraîcheur. Ouais. Allez, on y va. On y va. On y va. Oui, on y va. Allez. Allez bien. Alors je fais tout petit dans cette immense chaise là. Non, ça va, c'est quand même imposant. C'est comme ça. C'est quand même imposant, ça va. Bon les amis, voilà la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit vlog voyage vous aura plu. Voilà, on a voulu un petit peu partager ça avec vous. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, surtout pour ne rien louper des prochaines vidéos, aussi la petite cloche là pour les notifications. Ajoutez-moi aussi sur Insta, puis laissez vos commentaires, le petit pouce bleu, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous laisse devant ce magnifique pont donc de 7 miles, qui est le 7 miles bridge, qui fait donc 11 km. Allez, bye les amis.